Si vous avez déjà joué à GTA V, vous savez alors sûrement que la prise en main des hélicoptères n'est pas franchement évidente, que l'on utilise un clavier ou une manette. Il faut gérer à chaque fois une touche pour commander la rotation à gauche, la rotation à droite, le basculement avant, le basculement arrière, le basculement à gauche, le basculement à droite, et enfin l'accélération et la décélération du rotor. Bref, ça n'a rien d'intuitif et du coup, on se mélange très vite les pinceaux. C'est pourquoi l'idée qui m'est venue en tête a tout simplement été de commander tout cela à partir d'une centrale inertielle et un capteur à ultrasons. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous ne devriez avoir aucun problème pour comprendre comment j'ai utilisé ces deux composants afin de modéliser la position exacte de ma main dans l'espace. Là où les choses doivent réellement vous intriguer, c'est comment est-ce que j'ai bien pu interagir avec un jeu vidéo. Et la réponse est très simple, j'ai tout simplement émulé un clavier. Lorsque les angles calculés depuis la centrale inertielle dépassent un seuil de sensibilité que j'ai moi-même défini, alors j'émule la pression d'une touche de mon clavier. Ça, c'est la théorie, et comme toujours dans la pratique, il y a des complications. La première, c'est qu'il faut déjà savoir émuler un clavier. Et malheureusement, il n'y a que les microcontrôleurs Atmega 32U4 présents dans les cartes Micro, Leonardo et Yun qui ont cette fonctionnalité. La seconde difficulté est l'instabilité du yaw, qui pour rappel correspond à une rotation sur l'axe vertical. Pour contourner ce problème, j'ai combiné une centrale inertielle avec un capteur magnétique pour ensuite déterminer de manière indirecte le yaw. La dernière difficulté est de pouvoir émuler correctement un clavier, parce que voici ce qui se passe lorsque vous maintenez la pression sur une touche de votre clavier. Et voici ce qui se passe lorsque vous émulez une touche de votre clavier. Et je vous ne parle même pas du fait que la bande passante de saisie d'un clavier est très souvent limitée. Vous comprenez le problème? Bref, ça a été très compliqué pour calibrer tout ça, et voici l'algorithme qui en est ressorti. Si vous souhaitez vous lancer dans ce projet, voici le schéma de câblage. Vous pouvez vous procurer tous les composants depuis les liens qui sont dans la description. Comme d'habitude, le programme est aussi dans la description. La suite, vous la connaissez, c'est très précis, c'est parfaitement stable, et sans faire jeu de mots, c'est facile à prendre en main.